Oui, il y avait pas avant. Et puis j'avais 20 ans, un diplôme, il faut une expérience. Et puis aussi, quand on s'installe, on a des aides, on a des prêts bonifiés. Si on ne fait pas, je pense, 5 ans ou 10 ans, on rend les aides qu'on a eues. C'est super important, ça veut dire que n'importe qui ne s'installe pas. Il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, je vois, moi je me bats un petit peu au CDRA. Alors, c'est des fleurs à la région, moi j'avance pas. Parce que je pense que c'est des nuls. Bon, si tu veux faire de l'écologie, tu veux faire des trucs qui ne rapportent rien, on n'a pas besoin, ils sont là. Peut-être qu'ils aident là, bon, il y a un credo. Mais aujourd'hui, c'est lancer, comme tu dis, créer des entreprises. On crée des entreprises, on fait des prêts sur l'honneur, on fait des trucs. Ça veut dire qu'on lance des entreprises qui viennent concurrencer vous qui êtes installés, qui payez toutes les charges, qui. Aujourd'hui, au niveau sécurité, vous avez plein les trucs, vous avez eux, ils arrivent avec rien, ils sont exonérés pendant un an, deux, prêts sur l'honneur. Prêts sur l'honneur, vous savez ce que c'est? On le rend si on peut, si on ne rend peut pas, ben... Voilà, c'est ça, il n'y a aucune garantie, c'est ça. On fait ça, 80%, j'aimerais savoir combien ça reste au bout de 5 ans, on n'y sait pas. Aujourd'hui, il y a une concurrence qui est en place, c'est pas bon ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, avant de s'installer, il faut avoir les capacités, les diplômes, la motivation, et aussi la place. Parce que ce n'est pas tout d'installer des gens à tout va. Si demain on installe, qu'il n'y a pas le travail, pas le marché, il n'y a pas de débouché, ça ne sert à rien. Donc c'est ça aujourd'hui. Quand on parle de croissance, on parle aussi de la croissance, d'abord, il faut bien faire des grands machins, la croissance, qu'est-ce qu'on met pour que la croissance arrive? Parce que la croissance, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vous, c'est les entreprises, c'est les professionnels, c'est pas les politiques qui font la croissance. Ça, j'y crois pas. Aujourd'hui, c'est redonner un petit peu en France. Et puis, où la droite n'a pas été bonne, j'ai longtemps que j'avais dit à Bernard Accoyer, le lendemain de l'élection, il y a 5 ans, vous avez été super mauvais, et 35 heures, vous allez faire sauter tout de suite. Il n'y a pas le temps. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous expliquer comment des entreprises, aujourd'hui, le vendredi à midi, jusqu'au lundi matin, il n'y a plus personne, quand c'est pas jeudi soir. Le mercredi, vous allez appeler dans toutes les administrations le mercredi, il n'y a personne. Aujourd'hui, quand on parle de partager le travail, je me suis un peu manché les employés de la commune il n'y a pas longtemps, il faut partager le travail. Puis vous n'avez rien compris aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut mettre les 39 heures ou 40 heures, ou 41 heures, payer 35, pour donner de la compétitivité aux entreprises. Il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, on rêve. Aujourd'hui, on n'est pas prêt de se relever. Mais ça, il aurait fallu faire les réformes il y a 5 ans, il aurait fallu y aller. Je n'ai pas tout compris là, parce que. Avec tous les pouvoirs, c'était facile quand même. Dieu. Voilà, bon, on parle que la TVA sociale. Mais c'est bien la TVA sociale. C'est la TVA aujourd'hui. Ça coûte au budget de l'État quelque chose comme 32 milliards par an. Oui. Et 35 heures. Payer les gens à moins de travailler quand même. Oui, mais on aurait dû supprimer. Je crois que c'était un compromis. C'était les 35 heures contre la TVA à 5,5. Non, vous acceptez les 35 heures, c'est des réductions de chômage. Non, mais c'est pour dire maintenant, sur d'autres chaînes qui fonctionnent tous les soirs, au moment des 35 heures, même la télé Bouygues, ils ont réussi à trouver des artisans qui disent ben moi, je vais passer aux 35 heures, parce que qu'est-ce que c'est bien, c'est intéressant. Et tout ça, c'était bidonné. Bidonné. Ils sont allés voir un artisan en disant vous voulez pas nous dire que les 35 heures c'est bien de les prendre, vous me le faites à la caméra. C'est comme ça que ça marche. Bah, c'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, de toute façon, les médias ils ont un pouvoir de manipulation qui est énorme. Alors, si on n'est pas bien vu par eux, bah, aujourd'hui, prenez toutes les compagnes de. C'est pas les époux, c'est les compagnes des ministres socialistes aujourd'hui. C'est quoi? C'est des journalistes. On est les toutes. Elles sont toutes. Sinon, c'est la maîtresse. Oui, c'est la maîtresse. Oui. Non, mais c'est ça. Bon, ben, faut avoir le courage de dire. Mais après, pour en finir, heureusement que on parle qu'il faut remettre l'éducation nationale, remettre du personnel et tout. Prenons exemple sur les maisons familiales, ce qu'ils font. Aujourd'hui, ça coûte quoi à l'État? C'est des gens qui se débrouillent. Mais c'est pourquoi? Parce qu'il y a un président, il y a un directeur qui retrousse les manches, qui recherche, ils ont un budget. Eux, ils montrent un truc, ils ont un budget, ils font avec. Alors que c'est pas ça, ils ont un budget à dépenser. Non, mais c'est ça, aujourd'hui. C'est un petit peu ça qu'ils vont mettre en. Et puis après, je pense que quand les jeunes qui sortent de la maison familiale, c'est pas comme les jeunes qui sortent d'ailleurs. Souvent, dans la maison familiale, c'était les nuls qui y allaient.
Mais les nuits, ils s'en sortaient, puis ils ont tous du boulot. Mmh. Alors que ceux qui ont fait l'ENA, puis ils n'ont pas les meilleurs, c'est pas la peine. Je pense que, ouais, il faut les sous. La maison familiale, c'est des trucs à soutenir, c'est des organismes à soutenir, puis c'est des exemples au niveau de, pour l'éducation nationale. Je Mais ça reste une idée révolutionnaire. Moi, ouais. c'était une de mes premières interventions il y a 30 ans sur la formation où on parlait à mots couverts d'alternance. J'avais cité l'exemple des maisons familiales et le ministre m'a dit « je ne peux pas te répondre là-dessus parce que c'est trop chaud ». Ça reste une idée révolutionnaire. Après, c'est de faire fonctionner le service, c'est le privé.